Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Un petit coucou, un petit message pour savoir qui est connecté, qu'on puisse vous dire bonjour. On est hyper bien organisé ce soir, on est au top. On est habillé, c'est déjà pas mal. Bonsoir Alain, ça faisait longtemps. Bonsoir Estelle. Coucou Estelle. Coucou Alain. Allez, on attend deux minutes, comme d'habitude, que tout le monde se connecte. Salut Stéphane. Alors Stéphane. Bonsoir Stéphane. Salut Jérôme. Salut Jérôme. Bonsoir Dominique. Ah Dominique. Bonsoir Béatrice. Coucou Laurence. Bonsoir Fabienne. Bonsoir Jocelyne. J'espère que les Lyonnais vont bien. Bonsoir Jocelyne. Coucou Séverine. Salut Max. Max est debout. Max, t'es levé, gros. Bonsoir Charlène. Salut Charlène. Coucou Sorette. Bonsoir Eliane. Qu'est-ce qu'elle dit, Séverine? Ah, merci. Ah, tu vois? Moi, par contre, non. Non, mais non. Bonsoir Blandine. Coucou maman. Ah, bonsoir Corinne aussi, alors Stéphane, hey, ça fait plaisir. C'est 18h, on a bien fait. Ouais, je crois que le 18h, ça réussit. Hein. Bah, du coup, vous êtes obligés d'être chez vous. Bonsoir Julien. Il y a trop de choses à lire, moi j'y arrive plus. Je suis désolée. Alors, je ne sais pas à quelle heure est le match, Julien, mais on va essayer de faire vite alors. Hein. Salut Muriel, salut, salut Julie. Ah, c'est trop joli ce que tu portes, elle dit Charlène. Eh mais ça tombe bien, Charlène. Bon, ben moi je vais parler rapidement, puis je vais vite m'en aller, hein, visiblement. Oh, ça va, Max, t'aimes pas rire. Bon, ben ça va, Julien, 21h, on est large. Hein. 19h, on aura fini. Non, je vois pas clair. Bonsoir, Alexandra. Alors. Allez, on attaque. On va pas vous faire patienter trop longtemps. Alors, ce soir, premier live pour les soldes, exactement. Alors, nous sommes en solde en boutique déjà depuis mercredi. Voilà, donc dans l'ensemble, la boutique est à -30 ou -50%. Mais comme pour vous, ce soir, vous êtes des privilégiés puisque vous êtes nos fidèles. Bonsoir Audrey. Et ben ce soir, ce sera entre -50 et -70%. Voilà, tout simplement. Donc, l'occasion de faire de bonnes affaires encore sur, je dirais à la fois sur la collection automne-hiver, parce qu'on a encore quelques produits à vous présenter sur la collection automne-hiver. Et puis également, on va aussi commencer d'embrayer un petit peu sur le printemps, parce que mine de rien, il va commencer de pointer son nez, pas tout de suite, mais d'ici quelques semaines. Donc on peut anticiper et déjà faire de la bonne affaire aussi sur des bonnes affaires, pardon, sur le printemps. Voilà, donc voilà le programme de ce soir, hein, tout simplement. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Et coucou Emma, parce que apparemment il fallait qu'on le dise quand même. Pardon ma fille, je t'ai oublié. Excuse-moi. Coucou Emma. Oh non mais Caro, là, je vais partir. C'est bon. Allez, tu files. Bon. Je vais pas en dire plus, parce que visiblement, je suis trop ce soir. Pour l'instant, ouais, ça, non, va. Mais ça va, j'ai compris. En tout cas, on va faire des bonnes affaires et des bonnes affaires. Voilà, tout simplement. Et puis, bah, comme on a l'habitude maintenant, en fin de live, notre invité surprise, bien évidemment, parce que comme on vous l'a dit la semaine dernière, on reprend les bonnes habitudes. Donc, ça veut dire que dès ce soir, on a de nouveau un invité, comme on aura à chaque live. Et pas comme les autres. Donc, celui-ci, c'est vraiment la surprise. Je pense qu'il y en a là, à part si c'est un petit peu fruité, genre à midi. Sinon, c'est impossible que vous sachiez. merci, Serette. Heureusement que la famille est là. Hein. Bon, allez, ça marche. Juste rapidement, si toutefois, je fais quand même un petit rappel, parce qu'on n'en a pas trop reparlé, mais je rappelle quand même que pour toutes les commandes, on propose aussi de l'expédition, de la livraison. Voilà, donc si toutefois, il y a des difficultés pour vous déplacer ou vous êtes un peu éloigné, etc., voilà, on propose aussi ces services. Donc pour les expéditions, on rappelle que c'est 5 € de frais de port
lors d'une commande et qu'à partir de 100 euros d'achat, vous avez les frais de port qui sont offerts. Voilà. C'est vrai qu'elle a des belles boucles d'oreilles, Julie. Hein, tu as complètement raison. vous ne savez pas combien j'en ai comme ça. Voilà, donc c'était juste pour le petit rappel. Et paiement à distance. Paiement à distance également qui est possible, effectivement. Voilà, donc bah, en fait, je crois qu'il n'y a pas grand-chose de pas possible finalement. Voilà, on propose un peu tous les services qui puissent exister pour vous faciliter la vie, vous faciliter vos commandes, etc., etc. En sachant que quand vous commandez pendant le live, vous n'hésitez pas, quand vous venez récupérer votre commande, vous avez tout à fait la possibilité d'essayer. Exactement. Donc, si la taille ne convient pas, on saute sur une autre taille, c'est pas un souci, on essaye, on est là pour ça. Voilà, c'est le petit plus en fait, hein, qu'on propose, hein, c'est que, comme je le dis bien souvent, l'opportunité de ces Facebook Live, c'est aussi la possibilité d'acheter en ligne, en consommant local malgré tout. Voilà, donc ça fait vraiment partie, je dirais, des avantages qu'on a, c'est que on a malgré tout une boutique, que vos commandes, c'est, on va dire, de la précommande. On essaye avant de valider les achats et voilà, au moins on est sûr, tout simplement. Voilà, je vous laisse avec The Dame. Et puis, ouais. Je vous dis à tout à l'heure. Allez, bon live. Et j'ai jamais eu autant de fleurs, hein, donc moi je profite. Alors, c'est parti. Donc, on est un petit peu en retard. Hein, donc, au niveau des réductions, je vais vous les dire au fur et à mesure. J'ai évité de monter sur la caméra parce qu'elle est bien plus près que d'habitude. Alors, on attaque avec le petit pull manche courte. Donc, on est sur de la maille. Hein. Donc, ça, c'est printemps, automne, sans problème. Sur l'hiver, en dessous d'un blazer, en dessous d'une petite doudoune, ça passe très, très bien. On a hop, tout son petit travail avec les torsades. On est sur du bleu ciel. Donc, comme on est sur de la maille, il est taillé. On est sur un pull taille ML. C'est pas du tout de l'oversize. Donc, sincèrement, il est taillé, mais je peux pas trop vous dire pourquoi. Du S au L, sans souci. Forcément, il sera un petit peu plus ajusté sur du L que sur du S. Hein, on est bien d'accord. Mais, enfin, niveau de la taille, vous pouvez y aller sans problème. Ça, sur un jean, super canon. Mais même sur une petite jupe, il n'y a pas de problème. Hein. Vous y allez tranquillement. Du coup, on reprend notre petite numérotation, c'est l'article 97. Donc, pour celui-ci, il va me rester juste la taille ML. Mais bon, comme je vous l'ai dit, hein, ça ne fait pas grand-chose. Il est à 31,50€ et il est à 50%. Donc, si vous aimez, bonsoir Mélanie, si vous aimez, n'hésitez pas, parce que là, j'ai que deux pièces. Hein, donc, on y va en direct. Ou en replay, parce que bien entendu, vous pouvez nous voir en replay pendant toute la semaine. Ensuite, on est sur un petit t-shirt Grace et Mila. Pareil, attention, hein, c'est les soldes, donc je ne vais pas avoir énormément de pièces. Là, je vous présente le t-shirt, c'est la dernière pièce qui me reste. On est sur une taille M. Un petit t-shirt avec la petite empiècement dans le dos. Voilà, dos uni, le devant avec voilà les petites... palmier, on va dire ça comme ça. Cocotier, excusez-moi, peut-être. En doré. Le petit empiècement, Tony s'éclate. Même notre invité, il ne comprend pas. Tony, il a le feu ce soir. Donc voilà, vous avez ce petit t-shirt là en M. Donc Grace et Mila 38, 38-40 sans problème. 36, vous serez à l'aise, mais ça passera aussi. Il est à 35€. Et c'est pareil, on est sur du 50%. Alors ensuite bah, ça va être le top que j'ai sur moi. Voilà, donc top avec les manches. C'est de la manche plissée, hein, ce qu'on appelle les plissés soleil. C'est de la manche ballon avec l'élastique en bas de manche. Le petit col aussi en plissé. Sur le reste, on est droit. Col V. Moi, je l'ai à l'intérieur de la jupe, sinon, en longueur, vous êtes sur une jolie longueur, hein, classique, vous pouvez le porter par-dessus un jean, c'est pas un souci. Donc, à l'intérieur ou par-dessus, vous faites comme vous voulez. La manche est assez large. Après, ça reste du plissé, ça se passe facilement, hein, sous une petite veste ou autre, c'est pas un problème. Je vous le fais voir comme ça, et vous l'avez aussi en noir. Hyper chic en noir.
assez automnale au niveau du moutarde. Alors que je vous donne les tailles, on est sur Villa. Donc comme d'habitude, Villa, ça taille bien. Donc en noir, vous allez avoir 38-44. Et en moutarde, comme j'ai sur moi, du 38 au 42. 38-40-42. Sachant que ça taille bien, hein, donc le 42 fera un 42-44, hein, il n'y a pas de souci. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, le petit t-shirt rouge, on est sur l'article 98. Celui-ci, on sera sur l'article 99. Vous êtes à 39,99€, à moins 50% aussi. Donc, en moutarde ou en noir. Pour le noir, du 38, et du 44. Et pour le moutarde, du 38 au 42. Je saute du coq à l'âne avec, en fait, la petite jupe de Villa. Mais j'aime bien l'associer avec le top que j'ai sur moi. Parce que vous retrouvez le plissé soleil. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, sur les ventes flash. Parce qu'il me reste, en fait, qu'une seule taille sur cette jupe-là. Il va me rester que du 38. Donc, vous l'avez déjà vu, c'est une jupe qui est assez sympa, élastiquée derrière. Devant, c'est du faux. J'ai perdu le mot. Du faux portefeuille, pardon, parce que vous êtes attaché à la ceinture. Voilà, un plissé soleil d'un côté, plissé classique de l'autre. La petite jupette, article numéro 100 pour cette fois-ci. 34,99€. Et celle-ci est à 70%. Donc, quand vous associez les deux, c'est super sympa. Vous mettez ça sur du talon, sur de la petite derby, ça passe super bien. Alors, Alain, apparemment, se fait entremetteur pour les autres. Très bien, Alain. C'est notre vendeur en ligne. C'est, voilà, c'est notre vendeur. Enfin, faudrait que ça aboutisse quand même, Alain. Après, on a... une petite chemise dans les tons fauves qu'on aime beaucoup. Déjà, ça marche pas là. Hein. Anthony veut pas apparemment. Donc, on est sur un imprimé fauve, léopard, panthère, un peu comme vous souhaitez. Hein. Ça reste assez, assez neutre. Hein. C'est pas non plus du trop voyant. Alors, on a Julie pour la jupe. Pas de souci, Julie. Hop! Sachant qu'il m'en reste une autre. Donc, je te la mets de côté, Julie. Merci. La petite chemise. Alors, le bas de la chemise, vous êtes en arrondi. Donc, du coup, vous pouvez la porter comme d'habitude par-dessus ou à l'intérieur du pantalon. Par-dessus le pantalon, vous avez quand même du coup cette fioriture qui fait que ce sera quand même super élégant. Un petit peu plus longue derrière que devant. Ça passe sur tout. C'est la petite chemise qui va dynamiser le jean brut classique, comme qui va être hyper chic sur du noir. Alors, Sabrina, le 99-38 en noir. Pas de souci. Oui, effectivement, j'ai plus de 36 par contre sur le noir. Ça marche. Bonsoir Rachel. La jupe, c'est du 38, celle que j'ai présentée. La jupe plissée. Alors, Alexandra, je suis désolée, je m'arrête un peu parce que ça défile et je suis un peu perdue. Alexandra, 36 sur la jupe. Alors, la jupe, c'est la 100. Non, malheureusement. La jupe, c'est que du 38. Alors, on a Thibaut Lachise, donc j'imagine que c'est pas Thibaut pour la jupe, mais la jupe, ce sera 38, donc vous me dites si je vous la mets de côté. Mais ça sera que 38, par contre. Il doit m'en rester deux autres modèles. Donc, n'hésitez pas, un modèle est pris, mais je dois en avoir deux derrière. Je reviens, du coup, pour la chemise. Alors, Alexandra, pas de souci, je te mets une jupe de côté. Il reste plus qu'une. Rachel, au fais des pinces. Non, je rigole. Ça va, si tu es vraiment en 36, ça va être trop grand. Mais je t'en réserve une autre. Donc, sur la petite jupette, la petite chemise, pardon, je me perds à force. Vous êtes en 34 et en 38. Ça reste du Villa.
Donc, ça reste assez bien taillé. C'est pas une chemise cintrée. Derrière, vous avez la petite patte d'aisance. On peut peut-être mettre une jupe de côté pour Thibault Lachise. Ouais, non, mais c'est bon, il y a tout. Eh ben, c'est tout beau. Donc, la petite patte d'aisance, ce qui fait que le 34 fera un petit 36. Hein. Si vous êtes entre deux tailles, vous n'hésitez pas. 34, 38 pour la petite chemise. Pas cintrée sur une chemise droite. Et on est à 39,99 €. Et la chemise est à 50%. Alors, en 38, Marie, je vais envoyer Tony regarder. Parce que j'ai quelqu'un sur le 38, mais je vais voir si j'en ai un autre. Si tu peux regarder le top Oui, je vais en regarder. 38 en noir. Ensuite, je te dis ça dans un instant, Marie, merci. Et coucou, parce que je t'ai pas dit bonjour. Une petite robe. Ça va bien se passer ce soir, c'est difficile. La robe Villa. Classique, on est sur un uni, une couleur mais juste super canon parce que je ne sais pas combien on est à avoir des bouts de camel, hein, mais on est énormément. Ah, je t'ai dit une bêtise, c'est moi qui me laisse. Hop, Marie, je t'en mets un de côté, c'est tout bon. Par contre, j'ai peur qu'il soit un petit peu grand, ce sera à essayer quand tu passeras. Alors, je reprends sur la petite robe en camel. Associée à des bouts de camel, elle passe très très bien. Vous pouvez la casser avec une ceinture plus épaisse en noir. Il n'y a pas de souci. Ok Gaëlle. Merci. Ça me paraissait un peu bizarre, Thibaut, pour les petites jupes. Donc sur celle-ci, vous avez un léger effet élastane. Elle est hyper confortable. C'est quand même c'est de la robe d'hiver, hein. Il y a quand même une matière, quoi qu'il en soit. Son petit côté un peu sympa, ça va être en fait le double lien que vous avez à la taille. Donc, pas obligé de la surceinturer. Vous pouvez la laisser comme ça, hein, en basique. Après, si vous voulez lui rajouter une ceinture, ce n'est pas un souci, ça se cachera aisément, hein. Mais du coup, l'avantage, c'est que vous la ceinturez comme bon vous semble. Pas de souci, Marie. Sur celle-ci, vous êtes sur un 34, 36 et 38. C'est l'article numéro 102. Et vous êtes à 49,99 €. Elle est à 50%. Donc celle-ci, allez-y, hein. Sincèrement, au niveau de la longueur, enfin, c'est vraiment un super basique. Elle est un peu. Elle est passe-partout. On a une bonne longueur, ça arrive au-dessus du genou, c'est pas trop court. Plus vous la ceinturez, forcément, plus ça va raccourcir. Mais sans problème. On a une épaisseur, elle n'est pas fraîche. Enfin, moi j'aime bien. C'est un bon petit top chez Villa. L'article numéro 102. Alors ensuite, on va passer sur une robe que Tony aime beaucoup. Ça change, c'est plus original, c'est plus coloré. L'article numéro 103, toujours chez Villa, on est sur une robe chemise. Alors ça passe très très bien en la cassant avec une veste en jean. Un blazer si vous avez dans les tons de bleu marine, un blazer camel, il n'y a pas de souci. Mais sur de la veste en jean, vous pouvez la mettre sur boots, vous pouvez la mettre sur basket, ça passe super bien. Robe chemise, ceinturée, pareil, hein, vous la surceinturez, ça se cachera à l'intérieur, on ne verra pas du tout. Vous êtes sur l'article 103. Alors, comme on est sur de la robe chemise, attention pour la poitrine, forcément, on a les boutons tout du long, hein, c'est du vrai boutonnage. On l'a en 40, 42, 44. Et vous êtes à 44,99 €. C'est pareil, vous êtes à 50% sur cette petite robe. Longueur au-dessus du genou. Voilà. Alors ensuite, on finit avec la dernière robe pour ce soir. Une robe que moi j'aime beaucoup. La robe de chez Cream, que je vous ai déjà présenté précédemment. On a cette imprimée sur. Enfin, on n'a plus. Parce qu'il y avait la veste, mais la veste est partie. La semaine dernière, je vous ai fait voir le pantalon. Là, on est sur la robe. Hop, je m'approche.
Léger effet prince de Galles avec sur le côté, hop, la petite bande un peu plus sport qui reste hyper chic avec le petit doré. On est sur une robe droite, une trail à Stan, une coupe excellente hein, au-dessus du genou, sans problème. Et oui, Séverine étant la dernière à avoir pris la veste ce week-end, il ne te reste plus qu'à prendre la robe. Alors, sur la robe, vous êtes en XS, S, L et XL. On n'a plus de M. Et oui, Fabienne, toi, tu sais, c'est toi qui as la M, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, 69,95 pour la robe. Et vous l'avez, du coup, à 50%. Alors, la robe 102 pour toi, Marie. Pas de souci. Je te mets la 102 de côté et je te la mets en 36. Après, alors, bah après, on fait un petit zoom sur les Perfecto Villa que vous avez vu il n'y a pas si longtemps. Mais bon, c'est les soldes. Hein. Après, voilà, on vous présente surtout là où vous pouvez faire des affaires. Parce que la nouvelle cour, vous allez avoir le temps de la voir arriver. Hop, il y a 5 minutes, il neigeait encore sur la Clète. Donc, tant qu'à faire, autant zoomer sur la collection automne-hiver. Donc, Perfecto. Voilà, Perfecto Suédine, qui passe sur tout, qui est ultra léger. Ce qui fait qu'en intérieur, vous le gardez. C'est super souple. C'est pas un souci, ça vous sert de gilet. Vous le mettez en dessous de votre doudoune, ça passe très très bien. Et mi-saison, en petite veste d'extérieur, ça froisse pas. Enfin, c'est tout ce qu'on aime hein, sur ce genre d'article. Vous l'avez en noir, en 36 et 38, pardon. Donc moi, sur moi, j'ai le 38, hein, sachant qu'à la base d'épaule, j'ai quand même un 40. Ça taille bien. Et vous l'avez, alors, ils appellent ça butternut. Donc, je vous laisserai juger de la couleur. Moi, j'appelle ça un camel clair, mais bon. Ça, c'est bien eux qui voient. Ça, sur du jean, c'est excellent. Et donc, celui-ci, vous l'avez, il reste en 38 et en 40. Donc, 36-38 en noir, 38-40 en butternut. La noire pour Alexandra en 38. Pas de souci, ça marche. Et à 59,99 €. Et celle-ci est à moins 50%. Alors Alexandra, par contre, si c'est pour la mise que j'ai vue dans la semaine 38, bah, faudra qu'elle essaye, ce serait pas mal. Parce que peut-être que le 36 serait quand même un petit peu mieux. À voir. Je te la mets de côté. Et si tu peux passer avec la mise, il n'y a pas de souci. Perfecto noir en 36 pour Rachel. Ok. Et veste noire pour Eliane. Alors, Du coup, Eliane. c'est il t'en reste combien? Non, Eliane, du coup, le Perfecto noir, j'aurais plus. Et la robe grise. Donc ça doit être la Prince de Galles, je suppose. Ouais, Eliane, si juste tu peux me dire si c'est celle-ci, Prince de Galles numéro 104. Jocelyne, Perfecto noir, c'est épuisé. Ouais, il y a un perfecto là, il va me rester que le butternut. Donc celui-ci. Qui passe très très bien aussi. C'est un 38, je vous fais voir. Parce que même quand vous êtes tout en noir, avec des boots camel et le butternut en dessus, ça passe super bien. Au final, ça passe. C'est une couleur qui passe autant. Enfin, sur n'importe quelle saison. Ok Alexandra, pas de souci. Rachel, et eh ben Rachel, je te mets le perfecto de côté. Je vous fais voir quand même. Donc voilà. Donc le noir est épuisé et il va rester le butternut. Donc celle-ci de couleur. Personnellement, c'est celle que j'ai à la maison parce que je suis quand même souvent en jean et sur le jean, ça passe super bien. Alors ensuite, petit tapin de chez Grasse et Mila. Il me reste qu'une seule taille, du S, deux articles en S. C'est le numéro 106. On est sur du voile, c'est tout flou.
Vous le mettez sur du noir avec un top noir en dessous, parce que quoi qu'il en soit, vous serez obligé de mettre un top. Hein. Top noir en dessous, Gaëlle Duvernay. Pas de souci, Gaëlle, en 38, bah, celui que j'ai sur moi, t'inquiète pas, je te le mets de côté. Donc, sur... pas de souci, Jocelyne. Après, c'est ce genre d'article hein, sur Villa, c'est des articles que j'ai assez fréquemment, qui existent souvent, donc vous n'hésitez pas, si jamais vous avez... un besoin, hein. Vous me faites une commande et puis bon, on voit directement avec le fournisseur. Angélique, la robe 102. La 102 pour Andy. Hop, j'ai perdu la 102. Ok. 36. Ouais, on va voir ça. Pas de soucis, Angélique. Du coup. Excusez-moi, le petit top, vous êtes obligé de le mettre hein, avec un petit débardeur spaghetti ou alors, vous savez, nos débardeurs, enfin nos sous-pulls viscoses, hein, manches longues, c'est pas un problème. Mais par contre, vous ne pourrez pas le porter à même la peau. Après, ça ne m'en garde pas, mais c'est quand même super transparent. Hein. Faut pas l'oublier. Vous l'avez en S, donc 36, petit 38. Si vous n'avez pas trop de poitrine, il n'y a aucun souci, ça passera sans souci, sans problème. C'est l'article 106 de chez Grasse Mila. Il est à 45 euros. Et là, vous êtes à 70%. Hop. Et la dernière, bah, c'est la petite jupe que j'ai sur moi. La Simili. Ah, attendez, j'enlève le perfecto. La Simili de chez Villa. On est sur une taille haute. Avec la petite fente dans le dos. Parce que sinon... Sinon, vous ne montez pas les escaliers. Vous êtes sur une jupe tube. Donc, sans fente, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Non, super agréable. Vous avez quand même de l'élastane hein, sur cet article-là. Le zip derrière. Hop, avec la petite fermeture sous agrafe. On est sur du noir. Vous l'avez déjà vu précédemment. Vous l'avez en S et en L. Il me restera plusieurs articles en S. En L, c'est celle que j'ai sur moi. Donc pareil, hein, je suis sur du 38-40. Bon 40 quand même. Voilà, ça reste une jupe tube. Hein. C'est près du corps, c'est ajusté. Par contre, en L, je vais avoir un seul article. Donc vous n'hésitez pas, si besoin, mettez-le moi de côté directement. Parce qu'après, il n'y a plus. Elle est à 34,99. Et là-dessus, vous avez 50%. Voilà. Et pour moi, j'ai fini. Mais t'as déjà fini? J'ai déjà fini. Moi, j'ai l'impression d'avoir tout donné, là. Alors, pour le petit haut, noir et camel. Par contre, Gaëlle, pour toi, c'est 34. Et 34, je vais l'avoir qu'en camel. Je ne vais plus l'avoir en noir. Donc, n'hésite pas à me dire... Il n'y a pas de souci. Allez, je vous laisse avec Monsieur. À plus tard. Bon, bah c'est moi qui rentre. Ah, pardon. Non, mais c'est pas grave. Parce que tu es tellement belle ce soir. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a pas de souci. Exactement. Je fais l'effort. C'est beau. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. C'est l'amour, le travail, les deux mêlés. Ah, puis alors, l'amour du travail bien fait, là, c'est la totale. Allez, bonsoir à toutes et à tous, pour ceux que j'ai pas vus en tout cas, merci d'être avec nous. Je te laisse répondre à Mélanie qui veut prendre la jupe pas de soucis, en 36, c'est noté. Oui, c'est bon pour la jupe. Oui, effectivement Gaëlle, c'est moutarde, excuse-moi, c'est pas camel. Voilà, donc rectification, c'est moutarde et pas camel pour Gaëlle. Alors, pour le rayon homme ce soir, je vais vous présenter pratiquement que des produits que vous n'avez encore pas vus en live. J'ai juste remis deux pièces, on va dire deux grosses pièces d'hiver, parce que je me dis quand même que, voilà, comme disait Caro tout à l'heure, il neigeait encore un petit peu cet après-midi. Voilà, il reste quelques pièces, donc c'est le moment aussi de faire justement des bonnes affaires. Donc voilà, moi ça me paraît évident de vous proposer des affaires sur ces produits-là aussi. Donc voilà, donc on n'hésite pas. Alors, premier produit que je vous propose ce soir, c'est tout simplement le pantalon que j'ai sur moi. Voilà,
Donc, je m'approche un petit peu. Donc, pantalon de chez Carlos Cordoba. Alors, coupé comme un jean. Donc, on est sur un 5 poches. Ce qui va être différent du jean, c'est surtout la matière. Parce qu'on est sur un coton. Donc, on n'est pas sur une matière jean. Et coton très, très élastane. Voilà, donc, hyper confort. Coupé assez slim. Hein. Alors, je ne sais pas si... Ouais, je pense que vous voyez assez. Voilà, donc coupé assez slim, donc il galbe assez bien la jambe quand même, donc c'est ce qui amène de l'élégance, toujours sur le pantalon, hein. Voilà, sorti de ça, eh ben, on se retrouve sur le même produit qu'un jean, c'est-à-dire bouton, braguette zippée, voilà, 5 poches, alors 5 poches pourquoi? Parce qu'on a la petite poche ici, plus 2 ici et 2 derrière. Voilà, donc après, bah, c'est du classique comme un jean ordinaire, hein, je dirais, sauf que voilà, sur la matière, on est vraiment sur une matière très différente, qui est un petit peu plus, je vais pas vous dire plus légère à porter, parce qu'on est quand même sur de l'automne-hiver, donc ça reste quand même assez, assez chaud hein, comme pantalon, mais c'est beaucoup plus souple, voilà, exactement. Voilà, ça fait largement le pendant du jean. Alors, au niveau de la couleur, on est sur un marron, ouais, je pense que vous voyez assez bien. N'hésitez pas à nous dire hein, si vous ne voyez pas bien. Bonsoir David, bonsoir Benjamin. Voilà, donc de chez Carlos Cordoba. Et au niveau des tailles disponibles, nous avons ce pantalon du 40 au 48. Donc du 40 au 48. Article 70. Prix 69,95 et on est à moins 50%. Voilà, c'est un bon basique, hein, clairement. Le marron, bah, ça se marie avec pas mal de choses, donc voilà, faut pas hésiter. Sur toute la saison, automne, hiver, même début de printemps, on va largement pouvoir le mettre. Alors après, même sur l'été, on peut, hein, mais bon, c'est juste que ça tient un petit peu plus chaud. Voilà, donc article 70, moins 50%, prix 69,95. Alors ensuite, blouson de chez Benson. On est sur de la mi-saison, donc on est plutôt sur un blouson printanier. Ok, ok Audrey, c'est noté. Donc un pantalon en 40 pour Vivien. Blouson de chez Benson, donc comme je disais, sur la saison printemps, automne. Pourquoi? Parce que quand même assez léger au niveau de la matière. On est sur un bleu marine uni. Voilà, rien de particulier, si ce n'est qu'on a des bord-côtes poignées, également bord-côtes sur le bas pour resserrer un petit peu. Je vais la passer après, hein, comme ça vous vous rendrez compte. Deux poches zippées. Alors, il faut que j'enlève ma veste, c'est mieux. Hop. 42 pour Alexandra. Ouais. Ouais. D'accord. Bah on a. Si toutefois la taille ne convient pas, de toute façon après on change. Il n'y a pas de souci pour la taille. Hein. Voilà, donc petit blouson qui va faire voilà je dirais du mois d'avril, mars-avril, hein, même pour les ceux qui sont pas trop frileux, et que vous pourrez largement mettre jusqu'au mois de novembre tranquillement. Voilà. Réversible, il est trop beau. Tu balances le truc, toi. Pardon. Elle me casse ma vente. voilà, donc, bah, comme l'a dit Caro, le gros avantage, le deuxième gros avantage que ce blouson a, voilà, c'est que c'est du réversible et qu'en fait, et bah, vous avez deux blousons en un. Et on passe du marine au kaki, tout simplement, avec une fermeture... En double sens aussi. Voilà, donc selon la tenue, eh ben vous avez le choix entre le marine ou le kaki. Donc c'est quand même un gros avantage parce que, comme je disais, ben ça fait presque deux vestes en une. Hein. Je suis coincé. Elle est coincée. Ah non, mais j'ai comme toi en plus, c'est vrai. C'est comme la foire. La peine de t'approcher. J'ai eu peur. Hein. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Alors, donc pour le blouson, taille disponible, on a du M. au XL. Prix initial 99,95 et on est à moins 50%. Voilà.
Donc ça vous fait un petit blouson sympa de chez Benson pour une cinquantaine d'euros. Donc plutôt bonne affaire. On va démarrer bientôt la saison du printemps. C'est le moment d'en profiter. Et c'est l'article 71, pardon, je n'avais pas précisé. Alors ensuite, chemise polo de chez Benson. Alors pourquoi chemise polo? Parce qu'en fait, on est sur une matière polo, donc c'est très très souple, vous voyez. On est plus sur un produit sport, hein, là, pour le coup. Je vais défaire un petit peu pour que vous puissiez voir la boutonnière. Alors, plusieurs façons de porter cette chemise. Hein. On peut la porter classiquement comme une chemise ordinaire, je dirais. Donc, wow, sans rien dessous, chemise classique. Et puis, du coup, on va être sur un produit un peu décontracté. Voilà. Produit plutôt souple à porter, hein, très léger. Au niveau des finitions, on a un revers de manche à poids fond marine. Avec, comme toujours maintenant chez Benson, le bouton pression avec le logo Benson sérigraphié. Petite fantaisie sur la boutonnière. Alors, je m'approche. Voilà, pareil, on retrouve la fantaisie à poids avec un petit liseré camel. Et puis également, à l'intérieur, une petite poche. Alors, une vraie poche, mais bon, que je dirais qui est quand même plus fantaisie que utile. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une vraie poche. Pareil, petite fantaisie aussi qui rappelle un peu les couleurs de la chemise. Alors, je m'approche un peu pour le motif quand même. Voilà. Donc, celle-ci, on l'a en grise et on l'a également en bleu que je vais vous montrer après. Article 72, prix 48 euros. Moins 50%. Taille dispo en gris. On a du S au 3XL avec le L épuisé. Voilà. Donc ça, c'est pour la grise. Et je vous montre la bleue. Donc même produit, hein, sauf qu'on est sur un marine. Alors ce qui va différer, c'est les manchettes qui sont sur une autre fantaisie. Voilà, les petits... des petits flamants, on va dire, qu'on retrouve également à l'intérieur. Voilà, donc là, pour le coup, la fantaisie à l'intérieur, marine liseré bordeaux. Petite fantaisie sur la poche aussi. Et tout à l'heure, je vous parlais au niveau du porté, c'est qu'on peut également, voilà, la porter en chemise ouverte, comme une petite veste d'été, tout simplement. Mettre les deux l'une à côté de l'autre parce qu'on a Isa Thomas qui demandait pour la première si elle était bien grise. Oui, je vais les mettre à côté. Ouais. Voilà, donc après, c'est au choix, hein. On porte ouvert ou on porte fermé tout simplement. Sur la bleue, taille disponible L et XL uniquement. XL uniquement, pardon, je dis une bêtise. XL uniquement. Et voilà pour les couleurs. Je me recule un peu. Donc, bleu marine ou grise. Voilà. Je me rapproche pour vous remontrer une fois le motif. Donc, la bleue. Et la grise. Voilà. Donc, je rappelle, on est quand même sur un produit plutôt sport, décontracté. Voilà. Donc, article 72. Prix 48 euros et moins 50% dessus. Voilà. Alors ensuite, donc ça, c'est une veste que je vous ai déjà présentée. On est sur une grosse pièce d'hiver. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est encore la période pour ceux qui ne sont pas encore équipés ou mal équipés, en tout cas, sur le froid. Veste de chez Benson extérieur, donc avec plastron polaire, tout le reste est en lainage. Donc on est sur du noir. Hein. Alors devant on est sur du noir. Le lainage on est sur un anthracite. Un noir chiné anthracite. À l'intérieur on est tout doublé polaire.
Kolmout. Je la passe pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Voilà, donc ça, bah, typiquement, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois que je vous ai présenté cette veste, moi, ce sera un t-shirt, un polo ou une chemise dessous, mais pas plus, parce que très franchement, c'est un produit qui tient vraiment chaud. Voilà, de toute façon, vous avez vu, hein, les nages, doublé polaire, tout de suite, on est sur des produits qui tiennent chaud. Voilà. Plutôt sobre, hein, au niveau de... Il n'y a pas de fioriture, en tout cas. Le petit logo devant, que je rappelle aussi, façon métal. Alors, je vais essayer de bien vous le montrer, c'est pas évident. Voilà. Donc, un zip pour la fermeture, deux poches, une poche de chaque côté, fermée, bouton pression. Voilà. Donc, on est sur l'article 13. Moins 50% sur le produit, et la veste est à 99,95 au prix fort. Voilà. Donc, encore une fois, bonne occasion aussi de faire une bonne affaire. Au niveau des tailles dispo, il nous reste du M, pardon. Et du L. M et L. Voilà. Ensuite, pareil, suite, pardon, que je vous ai déjà présenté. Alors ça, pour le coup, je vous le présente, je vous l'ai présenté il y a deux lives. C'était le dernier live, avant le dernier live de l'année, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Nouvelle collection. Donc là, on est vraiment on a attaqué le printemps, hein, clairement. Mais il passe déjà au solde, parce que forcément, bah, comme il est très beau, il a très bien marché, et puis bah, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, donc on l'a basculé dans les soldes. Les promotions. Les promotions, pardon. Respecte le règlement. Exactement, les promotions. Donc, suite de chez Benson de la gamme tricolore, avec... le petit liseré bleu-blanc-rouge sur toute la manche et l'épaule. Voilà, un blanc uni, toujours efficace, hein, le blanc est toujours très classe. On retrouve le logo Benson côté cœur en bleu-blanc-rouge aussi. Voilà, donc un produit assez sportswear hein, quand même. Mais très agréable à porter, en tout cas c'est les retours clients qu'on a eu sur ceux qui l'ont choisi. Et puis je confirme parce que je l'ai pris aussi pour moi et je confirme qu'on est très bien dedans. Voilà. Et puis après il dit qu'il n'y en a plus en magasin. Et après il dit qu'il n'y en a plus en magasin. C'est vrai. Et je peux pas résister moi quand je vois ça. Voilà, après au niveau de la coupe, on est sur un sweat classique, hein, bord-côte manche, bord-côte en bas également. Voilà. Hop. Donc eh ben, du jean, du bas de survêt, on peut mettre de tout hein, avec ça, hein, clairement. Hein. C'est surtout que la tendance étant au home working. Ouais, exactement. On est bien dans un suite pour pouvoir faire... Pour rester à la maison, on est bien, c'est vrai. Alors, au niveau des tailles qui restent de dispo, on a du XL. En fait, on a un XL et un double XL. Voilà, c'est vite vu. C'est l'article 60. Prix initial 48 euros. Et on est à moins 50%. Voilà, donc pareil, bonne occasion. De se procurer un joli sweat pour un prix très raisonnable. Voilà. Et puis maintenant, on va passer au moins 70%. Alors, encore un produit. Bah, il n'y a plus que du Benson hein, maintenant, donc je ne vais pas le préciser. Ce sera que du Benson & Cherry. Veste à capuche. On reste dans le sportswear. Je la passe. Ce sera plus simple. J'adore cette veste. C'est très bien travaillé. Super bien travaillé. Alors on est aussi sur la gamme tricolore. Rien que le cordon, les finitions, juste magnifiques. Voilà. Si on va jusqu'en haut, hop. Donc vraiment veste sportswear, hein. Capuche. Assez large. Également le tricolore sur les bords-côtes. Voilà, on est sur un Marinini. Ben, quoi dire d'autre que c'est la veste qu'il faut avoir, quoi, j'ai envie de dire.
Encore une fois, hein, sur. Peu importe, je dirais, le style dans lequel on s'habille. Hein, moi, ça, c'est le genre de veste, effectivement, que je vais quand même plus mettre le dimanche en détente, parce que bah, forcément, je suis un peu plus habillé la semaine, mais ça me gênerait absolument pas de mettre ça en semaine, enfin voilà, même tout le temps, en fait, parce que moi, j'adore ce genre de produit, tout simplement. Voilà. Donc, c'est l'article 73. Il nous reste un XL, un double XL. Prix initial 64,95 et moins 70% dessus. Gaël demande, alors Gaël, sur les tailles chez Benson, ça taille juste. Sa taille normale. Ouais. Si monsieur fait un L ou un XL, enfin prendre sa taille. Bah, alors, je remontre, moi d'habitude, d'ailleurs je l'ai prise en L, hein. Là c'est le XL hein, que je mets. Hein. Honnêtement, il n'y a pas une énorme différence. On est juste un peu plus à l'aise. Alors après, en vérité, ce qu'il faut surtout regarder, c'est si on est en L, ben, ça va dépendre de ce qu'on va mettre dessous. Voilà, si vous avez l'intention de mettre une petite épaisseur dessous, forcément, il faut mettre une taille au-dessus. Mais voilà, moi qui fais du L, bon, le XL, ça choque pas. On voit qu'on a juste un petit pli ici. Hein. Mais bon, c'est pas, c'est peut-être, ça vient peut-être plus de moi, je suis pas assez balèze. Voilà. Non, c'est pas ta taille, en fait. Ben, c'est pas ma taille, c'est un petit peu grand. Mais je veux dire, c'est pas choquant, quoi. En tout cas, moi, ça me choque pas. Ça reste sportswear. Voilà, ça reste du sportswear. Ça peut se porter un peu large. C'est pas gênant, quoi. Je veux dire, c'est pas une chemise ajustée. Hein. Voilà. Donc, je sais pas si on a répondu à ta question. Alors, en XL, et ben voilà, ben, je la donne à Caro, comme ça. On la sort du rayon. Pas de souci. Donc, il reste un double XL au cas où sur cette veste. Ensuite. T-shirt manche longue de chez Benson aussi, que je ne vous ai encore jamais présenté non plus. Désolé Mélanie, il y en a beaucoup qui m'ont dit la même chose. Donc t-shirt manche longue de chez Benson, alors pareil, hein, je présente un t-shirt manche longue parce que ça fait partie de la gamme chez les hommes. Bah voilà, c'est du facile à porter, hein, tout simplement. Il y en a beaucoup qui mettent ça en guise de sweat, voilà, parce qu'ils ne craignent pas trop le froid. Bah, ceux qui craignent le froid, au contraire, bah, voilà, ce sera le t-shirt manche longue comme il se doit, c'est-à-dire on va mettre ça plus une veste par-dessus, tout simplement. Et du coup, bah, on a deux manches longues pour les frileux. Donc là, on est sur un col V. Alors quand je dis col V, le col V n'est pas très profond. Hein. Concrètement, bah, voilà, c'est à peu près comme le col V que j'ai sur moi. Petite fantaisie avec la poche sur la poitrine, avec petit liseré bordeaux beige marron. Pas évident de vous faire voir à l'écran. On retrouve ce petit liseré. Voilà, c'est plus simple ici. Dos uni. On est sur un 100% coton. Donc, très agréable à porter. Très confortable. Bord-côte sur les manches aussi. Alors, pour le coup, les bord-côtes sont quand même beaucoup moins serrés. Et puis, en bas, on est droit. Voilà. Au niveau des tailles, nous avons de disponible, j'ai pas noté, je m'en rappelle plus, je crois que c'est du M au double XL, si je me trompe pas. Sans le L. Le L, je l'ai dans les mains. Non, c'est XL que t'as dans les mains. Eh ben, sans le L. Bravo. Donc, on a un M, deux XL, c'est ça, et un double XL. Voilà. Ah, alors, Stéphanie demande pour Kevin la veste à capuche, à combien du coup elle était? Alors, elle est à 64,95, pardon, prix fort, et il faut enlever 70%. Voilà. Et donc, il reste que du 2XL. Et il n'y a plus qu'une 2XL. Voilà. Voilà. Donc, le t-shirt manche longue article 74, donc taille dispo M, XL, double XL, prix 33 €, prix initial, moins 70%. On reste dans le chaud, dans l'hiver. Polo de chez Benson. Alors là, pour le coup, c'est un polo. Pas de souci pour Stéphanie. Ok, c'est noté. Pour le coup, donc voilà, je disais, on reste dans le chaud. Donc, polo de chez Benson. Alors là, clairement, hein, c'est un polo que j'ai vendu comme un sweat parce que on est vraiment sur une matière presque, on est sur une matière polaire en fait. Voilà. Donc, on peut largement mettre avec un petit t-shirt col V comme j'ai pour pas voir en fait au niveau du col parce que c'est un col ouvert forcément. Attendez, je m'arrête 2 minutes. C'est noté, Alain.
Voilà, donc on peut largement mettre, je disais, un t-shirt dessous et qu'on peut porter comme un sweat, tout simplement. Voilà, sauf qu'on sera sur un produit un peu plus habillé, puisqu'on est sur un polo. Donc col boutonné avec pointe du col boutonné. Au niveau de la fantaisie à l'intérieur, on retrouve un petit motif. Bord-côte sur les manches, bord-côte en bas. Voilà, pour ceux qui aiment être un peu resserré en bas. Le logo Benson qu'on va retrouver sur le bras gauche. Et puis, petit liseré noir sur l'épaule. Voilà. Donc ça, typiquement, hein, on va le mettre un peu avec tout. Hein. C'est du passe-partout, hein, clairement. Hein. Alors. Alors, Isabelle, je pense, Isa Thomas, numéro 74 pour le t-shirt manche longue. Je m'excuse, je m'arrête 2 minutes. Alors, 74. Et non, il n'est pas resserré en bas, en fait. Hein. C'est Non, il bien n'est des pas t-shirts. resserré, il Hein. est droit. C'est du droit en bas. Hein. Voilà. Et maman, c'est noté Pour celui-ci. pour le 74 également. Numéro de l'article avant. C'est ça, 74, Donc, tout à fait. 74, ok. Donc, je pense qu'on a répondu à la question, Isabelle. Voilà, donc le polo polaire. Donc, taille dispo XL, double XL, article 75, prix initial 44,95 et on est aussi à moins 70%. C'est noté pour le XL, pour l'article 74, Isabelle. Voilà, donc article 75, prix initial 44,95, moins 70%, taille dispo XL, double XL. Et puis le dernier, alors ça c'est un produit que je vous ai présenté au premier live. Voilà, doudoune de chez Benson. Très beau produit, très bien fini. Alors, je dirais qu'il va faire la plupart de la saison hiver, sauf cas exceptionnel où il fait vraiment froid. Voilà, par exemple, il y a 15 jours, il me semble, on a eu quand même bien froid. Donc bon, là, c'était peut-être un petit peu juste pour la doudoune, parce que bon, c'est pas non plus une doudoune, je dirais, spéciale grand froid. Je m'arrête 2 minutes, excusez-moi. Alors, je ne comprends pas le deux fois, Béatrice. 2XL. 2XL, pardon. Donc 2XL, article 75. Ok, c'est noté. Et c'est mis de côté. Donc, doudoune de chez Benson. Donc, qui va vous faire, comme je disais, bah, le gros de la saison, en tout cas. Voilà. Alors, doudoune à capuche amovible. Donc, qu'on peut enlever, je vous montre. C'est une capuche qui est zippée. Voilà. Donc, si on n'aime pas la capuche, on enlève. Je précise, capuche. Coton, donc on est sur du bimatière, hein, coton sur la capuche, polyester sur le reste de la doudoune. Alors je vais la passer, c'est du M, ça risque d'être un peu petit. Hein. Mais voilà, c'est juste pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est bon aussi pour Alain, pour la 75. Ouais. Ok. Alors, vous voyez, hein, moi je suis plutôt sur du L. Alors bon, le M, je le ferme, hein, mais bon, j'ai qu'un t-shirt. Hein. Voilà, après elle est très bien coupée, très bien cintrée derrière. Si on enlève la capuche, on est sur un produit un petit peu plus habillé, forcément. Donc, moi, typiquement, quand je la mets, bah, je vais la mettre avec capuche quand je suis plutôt t-shirt, polo, etc. Si j'ai une chemise avec un chino, bah, j'enlève la capuche et voilà, tout de suite, on est moins sportswear, hein, tout simplement. Vivian est super content. Et bah, super, merci Audrey. voilà, donc, très beau produit, très belle finition. Alors, je vous montre quand même. On a un nid d'abeille sur l'épaule. Voilà. Finition intérieure. Donc, toutes les coutures sont doublées par une fantaisie rouge. Logo Benson sur le bras gauche. Poignée élastiquée. Vous voyez. Hop, voilà. En bas, on est légèrement resserré, mais pas trop. On reste quand même, voilà, ça reste dans la coupe en fait de la doudoune. Et tout le monde est super fan de la doudoune qu'ils ont envie. Comment?
Estelle aussi, enfin Guillaume et... Ah bah super. Bah merci pour vos retours en tout cas. Deux poches JP sur les côtés, voilà. Voilà. Donc il nous reste uniquement du M. Il nous reste deux pièces en M pour être exact. Prix initial 109,95. Article 1. Et on est à moins 70% sur ce produit aussi. Voilà. Donc pour le coup, si ça colle avec la taille et que ça plaît esthétiquement, c'est franchement une bonne occasion, une bonne affaire à réaliser, tout simplement. Voilà, et ben j'en ai fini avec le rayon homme. Je crois qu'on a dû prendre toutes les commandes en cours. On reprendra de toute façon après le live, on vous reviendra vers vous pour chacun et chacune qui ont passé commande pour s'assurer qu'on a bien compris les commandes. Au cas où. Non, non, mais c'est vrai que c'est quand même c'est important quand même. Normalement, je vous ai mis un petit pouce. Mais moi, je suis blonde. Hein. Alors Alain, on finit pas par les gratuits aujourd'hui. On a commencé par les gratuits, si tu te souviens, à midi. voilà, donc en tout cas, on va, comme je disais, on va revenir de toute façon vers vous pour chaque commande qui a été passée. Donc, s'il y a des précisions, n'hésitez pas à nous le signaler. Voilà. On est bon. On est bon, on n'a plus qu'à... On n'a plus qu'à accueillir notre invité du soir. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, on va laisser notre invité se présenter. Juste un petit mot, c'est quelqu'un... qui vient seul, mais qui représente, je dirais, une entité, un collectif, en tout cas plusieurs personnes, voilà, qui a été et qui est encore acteur majeur, je dirais, de la vie des commerçants, de l'athlète, de chez nous. Et puis, en fait, on souhaitait les accueillir ce soir parce que, pour moi, ça me paraissait juste normal déjà de les accueillir pour les remercier déjà ce qu'ils ont fait pour nous et puis, pour aussi, les faire connaître, les encourager à continuer dans ce sens parce que, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, en tout cas, a été déjà super. Ils bossent pas mal. Hein. Donc, je te laisse nous rejoindre et puis, je te laisse également te présenter. Attention. Tadam ! Vas-y, tu peux venir. Bonjour tout le monde. Salut. Eh bien, je vais commencer. Alors, tout d'abord, remercier Caroline, je vais être galant, et Anthony de cette invitation ce soir après le, on va dire, en fin de live. Alors, je vais rien vous vendre, je vous rassure, c'est pas du tout mon métier. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus talentueux que moi pour cela, mais simplement, effectivement, comme l'a dit Anthony, je représente aujourd'hui la communauté de communes. Je crois qu'il y a Stéphane, notre président, qui doit être de l'autre côté. Je tiens donc du coup à le saluer. Donc pour représenter la communauté de communes et j'ai en charge depuis déjà, on va dire depuis cet été, de l'économie et du commerce au sein de la communauté de communes. Et je peux vous dire qu'il y a du travail à faire, peut-être plus que jamais, puisque nous sommes en situation de crise sanitaire et cela perdure malheureusement. Simplement vous dire que Anthony souhaitait que je fasse un petit point sur les actions que la communauté de communes a mis en place depuis, on va dire, cet été, et puis aussi surtout vous parler en quelques mots des futures actions ou des dernières actions qu'on vient de mettre en œuvre et aussi de parler de l'application, je finirai par là, de l'application numérique Brionnet Sud Bourgogne, qui va bientôt sortir début février et qui sera bien sûr profitable pour les commerçants de notre territoire, de l'Aclette, de Chauffailles et puis, j'ai envie de dire, de l'ensemble des 29 communes. Alors, 29, on a 29 communes, ouais. Sur tout le territoire, puisqu'on a aussi des petits commerces et des commerces dans les petits villages. Exactement. Alors, peut-être très rapidement, brièvement,
On a travaillé dès cet été avec les acteurs économiques de notre territoire, bien sûr les commerçants, le président de l'UCIA de La Clate est là, mais on a travaillé aussi avec les commerçants de Chauffailles qui sont en train de se réorganiser pour remonter quelque chose au niveau de leur commune, et c'est toujours positif. Donc on a travaillé tous ensemble et on se devait, j'ai envie de dire, les élus, de relancer un petit peu l'économie qui a été triste ou nette, hein, avec des fermetures en début d'année puis encore au mois de novembre dernier. Et donc on a mis en place plusieurs volets en lien avec le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. On a mis ce qu'on appelle un plan de relance, un pacte régional avec des aides à l'investissement pour les très petites entreprises, moins de 10 salariés, avec une enveloppe de 75 000 euros. On a déjà des dossiers qui ont été retenus, 7 dossiers au total. On les a passés en conseil communautaire ce jeudi. Et puis, on en a encore dans les tuyaux une sizaine. Voilà, et l'enveloppe, malheureusement, sera très vite consommée. Mais tant mieux, ça donne du travail aux entreprises locales. On a un fonds d'avance remboursable, en gros un prêt à taux zéro qui peut aller de 3 000 à 15 000 euros, et ça c'est géré par la région. Mais là aussi, les entreprises de moins de 20 salariés ici peuvent en profiter. C'est valable jusqu'à la fin de l'année si on n'épuise pas l'enveloppe avant. On a aussi fait quelque chose pour les communes de notre territoire avec un fonds de concours pour relancer un peu les travaux de réhabilitation, des travaux de voirie, des travaux aussi d'aménagement de bourg dans nos villages, donc avec une enveloppe de 150 000 euros au niveau de la communauté de communes. Et puis notre, j'ai envie de dire, notre opération phare, ouais, les fameux chèques cadeaux très bonne opération, que l'on a lancé au 15 octobre dernier et qui ont été un vrai succès. Ah, on a des super retours de la part des commerçants du territoire. Pour le coup, nous on peut témoigner, hein, parce qu'on a quand même beaucoup bénéficié de ces chèques cadeaux à la boutique, hein, clairement, quoi. Puis d'ailleurs pas qu'à la boutique, parce que les gens aussi ont fait aussi leurs achats en ligne en payant en boutique, bien sûr, avec les chèques cadeaux. En tout cas, c'était une super opération qui a été bien reçue autant par les consommateurs que les commerçants. Donc j'ai que envie de dire vivement qu'on recommence. Voilà. On a entendu le message, mais oui, c'était une très très belle opération. On en avait lancé 8000. Pour ne pas vous le cacher, au début, on se basait un peu par rapport au Grand Charolais, la communauté de communes qui avait lancé ça depuis le mois de juin. Et pour être vraiment honnête, au début, je me disais 8000, si on arrive à aller à 6-7000, ça sera déjà bien. Eh bien non, j'ai eu tort. Les chèques cadeaux sont très vite partis. En un mois et demi, il y avait déjà plus de chèques cadeaux. Du coup, on a remis 3000 chèques cadeaux juste avant les fêtes de Noël. Et ils sont partis, mais alors très très vite. Ouais, en plus, à la période des fêtes, forcément, ça ne peut que fonctionner, c'est clair. C'est une bonne opération, une très bonne opération. Non, puis c'est de la vraie proximité avec les clients, les commerçants. Enfin, c'est top. C'est ça. Voilà, et puis ça a permis de fédérer un peu tous nos commerçants du territoire. Il y en a plus de 160 qui ont joué le jeu. Il y avait 7 points de vente sur l'ensemble du territoire. Donc tous les chèques, les 11 000 du coup, sont vendus. Par contre, pour celles et ceux qui en ont encore chez eux, attention, la date fatidique arrive à terme, puisqu'on a jusqu'au 31 janvier, donc jusqu'à la semaine prochaine pour les consommer. Donc dépêchez-vous, allez de profiter vite des soldes. Exactement. D'aller dans les magasins qui participent à cette opération. Un petit point aussi, en fin d'année, il y a eu une nouvelle fermeture des commerces que, entre guillemets, l'État a jugé non
essentiel, qui a fait beaucoup parler. Mmh. Et avec le conseil régional, on a décidé de mettre en œuvre une enveloppe d'environ 45 000 euros pour les commerçants qui ont été fermés administrativement au mois de novembre. Et autant on avait voté au niveau de la communauté de communes cette enveloppe de 45 000 dès le 10 décembre, et ce jeudi dernier, on a voté la répartition de ces 45 000 euros. Donc elle se fera ainsi, 200 euros pour tous les commerces qui ont été fermés sur notre territoire donc le mois de novembre. Donc ça représente à peu près 114 commerces, je crois. Et puis, malheureusement, pour les restaurants et les bars qui, eux, sont toujours fermés, on a décidé de tripler la mise et donc d'avoir 200 euros pour novembre, décembre et janvier. Et on a gardé une petite somme pour éventuellement peut-être faire une opération spécifique lorsqu'ils seront ouverts, lorsqu'ils vont rouvrir. Mais aujourd'hui, et on souhaite le plus rapidement pour eux, en tout cas. Et pour nous aussi. Et puis pour nous aussi, parce que bah, ça manque tout simplement de ne pas aller. Oui. Donc ça va 5 minutes avant de recevoir de chez pas soi. Être, mais, de ne pas consommer, de aller pas. Aller au restaurant, c'est pas mal. Parfois, c'est quand même moins drôle, on va dire. Et comme le dit Marie, la proximité, le local, il n'y a rien de mieux. Tu as mal raison, Marie. Exactement. Donc, la communauté de communes va contacter ses commerçants. Ce sera un dossier simple et facile, parce que voilà, on souhaitait que ce soit pas une usine à gaz. Ouais, je pense que les commerçants aujourd'hui, ils ont d'autres choses à faire que de monter des dossiers compliqués. La dernière opération qui est dans les tuyaux, c'est, on en a parlé au tout début. C'est le lancement, et c'était le souhait de notre président de communauté de communes, Stéphane, de faire une application mobile, donc Brionnais Sud Bourgogne, puisqu'on vient tout juste de changer de nom de communauté de communes. Donc cette application qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sera en service début février. Les derniers essais sont actuellement en cours. C'est une application qui sera dédiée bien sûr au commerce, puisque dessus on retrouvera tout un tas de données en instantané. On pourra savoir par exemple si je sais pas, le coiffeur est ouvert tel et tel jour avec les horaires qui seront inscrits dessus. Si on veut aller à la pharmacie, pareil, des horaires, quelle est la pharmacie de garde. Donc il y a tout un tas d'infos sur les commerces, mais pas que. On retrouvera aussi dessus les coordonnées des entreprises, voir si les artisans, les produits locaux, on pourra retrouver des offres d'emploi. Hein. Il y a certaines entreprises qui recherchent, et dessus on aura ces infos. On aura les infos sur les événements, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le cinéma, des infos au niveau touristique aussi, parce qu'on a quand même une belle région ici, surtout à la Clète avec le château. Donc on a besoin de renseigner des visiteurs de notre région. Et donc j'ai envie de dire une application moderne, enfin, pour notre territoire connecté. Connecté. Et c'est vrai que aujourd'hui on allait de plus en plus vers le numérique, mais je crois que du coup votre live en est la preuve, c'est que avec cette crise sanitaire, ça va encore renforcer ce développement vers le numérique. Et puis ça sera tout simplement mon mot de la fin. C'est très bien, en tout cas. Stéphane, par contre, qui intervient. Ah, Stéphane. Qui nous dit, alors bien sûr, j'imagine que c'est concernant Hassan pour les kebabs, donc restauration rapide, par rapport aux aides dont tu as parlé précédemment, et qui parle aussi d'un accompagnement pour les CHR, groupes hospitaliers, j'imagine, CHR. Ah non, on est plus sur le commerce, là. Donc, là, je ne sais pas. Alors, Stéphane, tu peux développer, s'il te plaît. Appelle-nous. En attendant, cette application, moi, ce que j'en retiens surtout, c'est que je trouve qu'elle tombe à un point nommé, parce que, si j'ai bien compris le sens, c'est que le but, c'est que demain, on donne la possibilité
à tous les consommateurs, pardon, d'avoir les infos en temps réel de chaque commerçant, chaque industriel, chaque artisan, parce que bah, forcément, avec la crise du moment, chacun change un petit peu ses choses, ses jours d'ouverture, ses horaires, etc. Et que du coup, bah, il est difficile de savoir en temps réel, finalement, qui fait quoi, qui ouvre quand, etc. Donc, cette application sera aussi là pour ça. Après, ce sera à nous, à nous, quand je dis à nous, c'est à nous professionnels, hein, quels que soient les professionnels qui seront dessus, de la faire vivre, de la mettre à jour, parce que ça nous incombera aussi, forcément. Mais en tout cas, c'est dans ce sens-là, je pense que ça va vraiment être utile, quelle qu'elle soit en application, en tout cas. Voilà, ben, tout à fait. On consomme local à distance, on est connecté dans les campagnes. Exactement. Moi, j'ai envie de dire, quoi de mieux que vivre chez nous, quoi. Enfin... C'est exactement ça. En tout cas, ben, merci de ta venue. Merci, en tout cas, au nom... merci à toute la communauté de communes, hein, toute l'équipe... à Stéphane, à toutes les personnes qui l'accompagnent, en tout cas. Voilà, nous, on apprécie le travail qui est fait depuis déjà ces mois passés. Ça fait plaisir de voir que, bah, voilà, on se sent un petit peu moins seul aussi, forcément. donc, on espère que ça va continuer dans ce sens. Et puis, bah, voilà, nous, en tant que commerçants, on se doit juste de rester aussi à votre dispo pour faire voilà, pour être là quand vous avez besoin, pour faire les retours qu'il y a besoin, les retours terrain. Je m'approche aux élus également, effectivement. Et puis voilà, bah, c'est juste le mot de la fin, tout simplement. Ouais. Bah, merci de l'invitation. Bah, avec, bah, plaisir. Avec plaisir. Merci en tout cas à toutes et à tous. Nous, on se dit, bah, forcément à la semaine prochaine avec de nouvelles affaires à faire, de nouveaux articles, un nouvel invité ou une nouvelle invitée. On ne sait pas encore, on verra bien. Menteur, c'est pas vrai. Pour une fois, il est en avance. Il sait qu'il va venir. Chut. Allez, on vous dit à bientôt. Merci de votre fidélité. Et puis, on revient vers vous pour tous ceux qui ont passé commande. Merci, bonne soirée. Allez, bonne soirée.